Bonjour. Vous l'avez aussi. On m'a demandé de vous renseigner sur ce que je vais parler avec vous là. Donc, ils m'ont isolé pour que j'enseigne. Donc, j'enseigne. Quand vous êtes appelé à faire quelque chose, vous devez faire la chose. Il y a une femme qui m'a donné un témoignage ce matin. Une a pris les produits, quand elle a bu la poudre à boire là, elle a fait bouillir, elle a bu. La nuit là, elle a vomi. Il y avait quelqu'un, un dragaticon qui devait lui donner de l'argent. Et comme par hasard, le dragaticon ne décrochait plus son appel. Ses appels. Donc, quand elle a pris le kit, elle a fait le kit fondation. Elle a vomi la nuit là. Le lendemain, elle se réveille et voit que c'est le dragaticon lui-même qui l'a appelé. Bonjour le roi Hugo, tu es nous. Vous les enfants. Ceci vient, c'est plusieurs types d'encens. C'est sept. Donc chacun a sa vertu. Maintenant, quand tu brûles, ça restaure l'énergie dans la maison. Vous voyez. Voilà. Donc, la dame là elle-même, quand elle a fini, elle dit que la nuit là, elle a vomi. Quand elle a vomi, elle a senti que. Et elle dit même que depuis des années, elle avait quelque chose dans le ventre. Elle sentait qu'il y avait un truc qui la dérangeait dans son ventre. Elle dit que déjà qu'elle a vomi la nuit là, elle sait que le truc là est sorti. Il y a des périodes où. Les ancêtres m'isolent et je dois beaucoup enseigner comme là. Ça, c'est une période de ces périodes-là où j'enseigne. J'enseigne, j'enseigne. Ils me donnent les trucs à vous dire. Voilà. Ok. Pourquoi je dois vous montrer comment. Je dois vous donner l'importance de vous connecter. Les êtres de lumière, non. Les êtres de lumière. Vous devez remercier les ancêtres, ce sont eux qui me font enseigner. Les êtres de lumière, comme vous, si vous êtes sur ma page depuis, bonjour la Queen Julie, si vous êtes sur ma page depuis une semaine, un mois, vous savez que vous êtes censé être. Vous savez que vos choses sont censées marcher. Donc, je vais vous donner quelques astuces et je vais aussi vous parler un peu de ce que vous ressentez. En fonction de ce que les ancêtres vont me demander de vous dire, je vais dire. OK? Moi, je te dis comme ça. Alors, souvent, je mets le titre de la vidéo, je commence à parler, ils me disent autre chose. Donc, voilà. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Je demande l'assistance des ancêtres
ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, tous les autres anges, je demande leur présence. Ils sont là. J'appelle maman Aurélie. Maman s'appelait maman Aurélie. J'appelle aussi maman Gisèle. Appelez vos ancêtres. Invitez-les. Appelez leur nom. Ils me disent de vous dire que de tous les petits-fils, arrière, petits-fils qu'ils ont, il n'y a que vous qui pensez à eux. Ma sœur Feuillot, tu es assis comment comme ça? Toi là, tu es trop marrant. N'y a que vous qui pensez à eux. Ils me disent de vous dire que c'est pour ça qu'ils vous répondent. Grand-mère Thérèse, bienvenue. Alain, donne-moi tout. Donne-moi tout. Prenez beaucoup de temps, vous passez le temps avec eux, vous allez voir. Ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent vous dire. Là, j'entends tellement de mots que je vais commencer à parler bientôt. Grand-père Tamucha. Putain, ils sont en train de me donner des idées, des connaissances. Ils sont en train de me télécharger des choses, je vous assure. Donne-moi tout. Le roi Feuillot, tu as dit que tu voulais apprendre à écouter, non? Prends ta part, prends ton donne-moi tout, tu te connectes, tu vas voir. Ils me disent de vous dire que vous n'êtes pas fou. Bon, je vais me taire, je vais les laisser parler une fois. Il nous a fallu beaucoup de temps pour briser les croyances qui vous avaient séparés de nous. Pour briser tout le savoir que le monde vous donne. Pour vous séparer
de votre racine, pour vous séparer d'où vous venez. Nous sommes très heureux que vous puissiez enfin appeler nos noms. Quel dommage que vous croyiez que lorsqu'on meurt, on vous déteste ou encore que l'on vous abandonne. Les choisis qui sont appelés à toucher le monde entier doivent vivre par la foi et non par ce qu'ils voient. Vous verrez que la Bible va prendre chair en vous. Vous comprendrez ce que ce livre dit sur un niveau encore plus profond, plus élevé, nous voulons dire. Vous avez beaucoup de questions. Vous pensez que vous êtes seul. Quand vous souffrez, ce qui vous dérange dans votre souffrance, c'est que vous n'osez pas nous appeler. Nous ne sommes qu'à une parole de votre aide. Et nous le faisons dans l'amour. Ce que vous pensez être tellement élevé et plus avancé que vous, ils ont juste cru, accepté. Et ils utilisent les outils qu'on leur a donnés. Vous devez croire que nous voulons votre bien. Vous devez croire que nous sommes là pour vous guider vers le succès, la célébrité et surtout beaucoup d'argent. Nous connaissons beaucoup de choses qui sont cachées, que vous ne connaissez pas, mais que nous pouvons vous révéler. Parfois dans vos rêves, vous allez nous voir et on va vous donner beaucoup d'argent. Physiquement, dans cette journée, vous allez recevoir beaucoup d'idées ou encore vous allez avoir des propositions trop belle pour être vraie. Ça, c'est notre action. Nous sommes en train de vous préparer parce que vous entrez dans une nouvelle ère où vous allez recevoir de l'argent en abondance par des canaux que vous n'avez pas encore eu dans le passé. Arrêtez de chercher du boulot. Arrêtez de vous concentrer sur une personne comme votre source de revenus. C'est votre cœur qui attire. C'est votre cœur qui reçoit. Vous êtes comme une graine qui est semée, qui est plantée et qui prend de l'ampleur, qui grandit comme un arbre. À tout moment de votre journée, nous sommes là. Mettez une alarme sur votre téléphone. Toutes les 60 minutes lorsqu'elle sonne, rappelez-vous, je ne suis pas seule, je suis avec mes ancêtres. Je ne suis pas seule, je suis avec mes anges. Je ne suis pas seul, je suis avec le Saint-Esprit. Vous verrez que vous serez encore plus conscient tous les jours. Nous ne vous avons pas abandonné. Parfois, vous pleurez dans la nuit, vous pensez que vous êtes orphelin, vous êtes seul. Nous ne sommes qu'à une parole de vous. Bon, il me demande de mettre ma main sur l'écran. Vous devez toucher cet écran comme point de contact. Certains d'entre vous, vous allez sentir notre main sur vous. Certains, vous aurez de la chair de poule à l'instant. Certains, vos dons vont s'ouvrir, c'est-à-dire vous allez comprendre, entendre des voix. Ne vous étonnez pas, ce n'est pas étrange. Vous avez des dons depuis l'enfance, mais vous avez été bloqué par vos tantes icônes, oncles icônes, peu importe qui vous aviez, qui avait pour but de vous bloquer. Certains d'entre vous, vous pouviez parler avec les morts. D'autres encore, vous pouviez voir quand quelqu'un va mourir. Mais on vous a fait croire que ce n'est rien. Vos dons sont encore en vous. Et dans cette saison, nous sommes en train de vous activer. Vous devez juste vous laisser guider. Suivez votre intuition. Dans ce royaume, il n'y a pas de plus fort. Personne n'est plus fort que l'autre. Et celui qui pense qu'il est fort, il va servir les autres. Il va servir. Vous savez ce que c'est que le service? C'est de s'offrir. D'offrir ce qu'on a comme don pour aider les autres. Ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour nuire aux autres, mais c'est pour relever la conscience de tout le monde, pour que tout le monde soit restauré.
Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup d'argent qui vous attend. C'est comme un nuage qui est sur votre tête. Et la pluie va bientôt tomber. Mais vous ne savez pas comment vous positionner. Ou encore, vous ne savez pas comment mettre des seaux pour recueillir la pluie. Car vous savez que si la pluie tombe, peu importe la quantité de pluie, si vous n'avez pas de récipient pour recueillir, à la fin de la pluie, vous aurez soif. Nous venons retirer le manque. Nous vous plongeons dans une saison d'abondance qui ne s'achèvera pas, qui ne se terminera plus. Le peuple africain, camerounais surtout, vous avez beaucoup souffert. Avant, beaucoup d'entre vous, vous étiez comme des crabes dans un seau. En 2013, la reine Jocelyne a prié, elle a demandé à être un outil que nous allons utiliser pour aider le peuple camerounais à sortir des ténèbres. Et c'est sa prière que nous avons répondu. En effet, les Camerounais ont toujours cette étiquette négative. Vous ne vous entraidiez pas. Vous vous tuez entre vous. Vous vous insultez sur la toile. Vous ne vous élevez pas entre vous. C'est comme si c'était une malédiction qui est carrément sur tout un peuple. Et nous sommes là pour briser, soulever cette malédiction. Nous sommes en train d'ouvrir l'esprit de chacun d'entre vous pour recevoir vos finances. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez grandi dans l'extrême pauvreté. Et malgré votre situation physique, malgré le fait que vous êtes dans un autre continent, vous avez encore les séquelles de votre pauvreté sur vous. Vous voulez encore bloquer d'autres personnes. Vous avez encore de la jalousie qui est encore dans votre cœur. Vous détestez les pères de vos enfants. Vous n'avez pas compris que nous vous avons délivré de certains d'entre eux. Parce que certains d'entre vous, si vous étiez restés dans cette relation-là, vous serez mort et morte aujourd'hui. Remerciez-les. Une fontaine est en train de percer et jaillit. Joël chapitre 2 est en train d'être accompli. Nous resterons les années que vous étiez censés avoir, les années de prospérité, les années d'amour, de paix. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup de familles camerounaises s'entretuent? Des tantes qui veulent tuer leurs neveux, des mamans qui veulent tuer leurs enfants. C'est une malédiction. Mais qui dit malédiction parle aussi de la fin. La fin de ce sortilège. Et nous vous annonçons qu'à travers vous, vos familles seront délivrées, si elles ne le sont pas déjà. Vous allez vous métamorphoser. Pour certains d'entre vous, dans 3 mois, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez voir que votre apparence physique va changer. Vous allez devenir très beau, très belle. Vos finances vont augmenter du jour au lendemain. Certains d'entre vous, vous allez avoir des visas pour voyager. Certains auront leur titre de séjour. Sans bouger le petit doigt, vous n'aurez rien à faire. La saison de récolte est déjà là. Vous avez longtemps prié, vous avez longtemps cherché. Nous sommes là pour vous annoncer que votre pouvoir est activé. Maintenant, c'est à vous de le croire. Et qui dit croyance veut dire action. Vos paroles vont changer, votre démarche va changer. Les véhicules que vous conduisez vont changer. C'est comme si on vous avait trempé dans quelque chose de différent, votre couleur a changé. Toutes vos blessures sont en train de guérir, les blessures d'âme que vous avez eues dans l'enfance. Un matin, vous allez vous réveiller et puis tout sera terminé. Nous vous l'annonçons en avance que vous ne seriez pas surpris. Effectivement, nous sommes dans l'ère de la délivrance. Vos enfants ne connaîtront plus de pauvreté. Vos petits-enfants non plus.
Vous ne connaîtrez même plus le mot souffrance. Vous ne serez que dans l'abondance. Nous sommes avec vous. Certains d'entre vous nous voient et vous savez ce que nous sommes en train de faire. Vous le savez déjà depuis longtemps. Regardez à gauche, sous votre et sur votre épaule gauche. Vous verrez un ange. Sur l'épaule droite, vous verrez un autre ange. Ils ne sont pas là pour la décoration. Nous vous montrons votre pouvoir. Longtemps, vous avez cru que ce pouvoir est au ciel. Il est dans votre bouche. Il est ici, en vous. Une fois que vous allez ouvrir la bouche, tout ce que vous allez demander, vous pouvez tester aujourd'hui. Tout ce que vous direz commencera à s'accomplir. La foi vous connecte. La foi, c'est juste de savoir que je sais. Et nous venons vous assurer que le psaume 91, nous sommes là pour vous porter, pour que vos pieds ne heurtent pas une pierre. Ça veut dire que concrètement, on ne peut comploter contre vous. Nous allons le répéter. Le psaume 91 dit, nous, les anges, nous sommes là pour vous porter sur nos ailes, pour que votre pied ne heurte pas une pierre. Vous devez croire, car vous n'avez pas besoin de nous voir physiquement. Vous devez croire que vous êtes protégés, qu'aucune arme qui a été forgée contre vous, par vos ancêtres, par vos parents, par vos... Peu importe qui a parlé contre vous et a déclenché un processus. Juste parce que votre foi s'active à l'instant, maintenant. Certains, vous pouvez sentir votre corps est en train de tressaillir. Certains d'entre vous, vous allez pleurer. Nous sommes effectivement là. Éloignez-vous des personnes qui ne vous croient pas. Tout se passe dans vos paroles. Même si pour blaguer, vous dites, je suis pauvre. Écoutez, vous êtes en train de vous ensorceler vous-même. Commencez à être conscient du pouvoir de votre parole. Car tout ce que vous dites, c'est un ordre que nous prenons et nous allons l'accomplir. Pour vous, le problème de papier que vous avez depuis 8 ans, 9, 15 ans, ce n'est qu'un détail. Le mariage, ce n'est qu'un détail. Vous êtes appelé à construire des hôpitaux, des orphelinats. Vous êtes appelé à reconstruire le pays. Et cela demande une puissance. Vous êtes dans une phase où vous activez votre puissance. Même les personnes les plus noires de ce monde ne pourront rien contre vous. Cette femme que vous voyez qui vous parle, elle a une foi d'enfant. Oui. Au début, quand nous avons commencé à lui parler, elle avait peur. Elle se disait, je vais cacher ceci. Et là, on lui a dit, tu dois leur montrer. Tu dois leur montrer comment activer la puissance qui est en eux. Car toute seule, ta lumière ne pourra pas activer les millions de vies que nous avons à toucher. Voyez ceci comme une salle avec une bougie. Dans l'obscurité, la petite bougie peut être facilement éteinte. Mais si vous avez 1000 bougies dans cette pièce qui sont allumées, imaginez le spectacle. Ah oui. Personne ne peut vous faire de mal. Personne ne peut vous empêcher d'être riche. Nous allons restaurer votre croyance. Quand vous étiez plus jeune, vous aviez beaucoup d'argent. À 20 ans, 22 ans, vous aviez déjà construit.
Mais vous avez été attaqué et vous êtes tombé. Vous avez perdu vos parents et vous êtes tombé. Nous sommes là pour vous rappeler que la connexion n'était pas à cause de votre mère. Et si votre mère est partie, oh là là, vous êtes encore plus fort à cause d'elle. Certains d'entre vous, vous avez le pouvoir de guérir avec vos mains. Ah oui. Pendant que nous parlons, vous sentez vos mains chauffer. Ce que vous voyez souvent dans vos rêves, vous voyez en train de voler, vous voyez en train de faire des choses extraordinaires. La saison est arrivée. Vous devez juste vous réjouir. Faites des actions de grâce. Faites des dons aux orphelins. Donnez en abondance. Et n'ayez pas peur. Rien ne peut vous arriver. Vous devez acheter une effigie de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui n'a pas de religion. Ce n'est pas juste pour les catholiques. Et un crucifix que vous mettrez dans votre chambre. Et une bougie. À chaque fois vous déclarez, je suis. À chaque fois vous allez déclarer, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. J'illumine ce monde. Vous serez le premier milliardaire de votre famille. Nous débouchons vos finances. Nous débouchons vos business. Ces voitures que vous voyez d'autres personnes conduire. Dans 3 mois, vous allez les acheter. Gardez l'écoute, je reviens. Ok? Bon, j'ai quelqu'un qui a sonné. Je suis en direct. Donc, j'arrive. Hein? D'accord. Ah, d'accord, elles sont connectées. Donnez-moi encore 10 minutes. Vous rentrez dans une période d'accélération. Vous allez connaître le bonheur sans qu'il ne vienne de quelqu'un d'autre. Certains d'entre vous, vous allez vous réveiller le matin et vous serez plein de joie. Cette joie manifeste, ça signifie de l'argent premièrement. Et ça signifie juste la joie. Vous allez souvent rire pour rien. Et cette joie va vous restaurer, vous allez guérir de vos ulcères, les ulcères d'estomac. Car beaucoup d'entre vous, vous allez être délivrés de fibromes. Toutes les entités qui étaient dans vos ventres, qui vous embêtaient. Certains ont reçu des mauvais esprits à travers des spermes maléfiques. Ces esprits aussi vont disparaître.
Bon, j'ai des engagements ici. Il faut que je parte. Franchement, j'ai senti cette puissance-là dans tout mon corps. Beaucoup d'entre vous, ça c'est votre période de restauration. Je ne vais pas vous mentir. Vous êtes en pleine restauration. Tous les mauvais esprits là vont sortir de votre corps. Tous, un à un. Si vous avez seulement, vous, depuis vous faites le sel, seulement le sel, prenez le kit fondation, vous utilisez. Il y a certains de mes kits que vous devez prendre. Il y a des trucs que vous devez boire. Oui, j'ai 6 doigts. Et puis j'ai le trou ici là. Je crois que vous connaissez, non? J'ai un trou sur l'oreille ici là. Beaucoup d'entre vous. Quand vous écoutez ma voix, ça va. Il y a des esprits en vous qui vont me sortir. Et vraiment, les ancêtres veulent que vous parlez-leur. Comme j'ai fait, vous avez appelé, vous les avez appelés vous-même là, non. J'ai fait. Vous avez. Ceux qui ont le donne-moi tout là. Prenez vos donne-moi tout. Ouais, j'ai mis ça. Oh! Ça vous débloque direct. Je me retrouve à faire 3 directs par jour maintenant. Profitez-en parce que... Et puis vous le retrouvez demain ou après-demain que je suis encore dans un autre pays. Je vous dis que je vais faire les conférences souvent que celui qui n'a pas la Cayenne n'entre pas. Je vais encore faire les conférences Bentley. Celui qui n'a pas la Bentley n'entre pas. Votre parking aura même 7 voitures, 15 voitures. Est-ce que vous savez qu'à Hollywood, ils ont des confréries? Ils ont des groupes où tout le monde, donc quand on dit que la fête là, si on dit que fête, tout le monde vient avec sa Bentley. Et c'est, on aura le cercle comme ça arrive. Personne ne va venir vous dire, wow, tu fais le chantage. You get your own car, girl. You got your own houses. Pas une maison, hein, pas 2 maisons. Tu restes, tu as l'embarras du choix. Tu as une villa à Marbella. Tu as une villa à Paris.
Tu as une villa à Moscou. Tu passes qu'une semaine dans les villas là. Tu es dans la ville, tu peux rester à l'hôtel. L'hôtel 7 étoiles. Pardon, je vois qu'elle commence à parler. Ouais, Seigneur. Écoutez, l'insolence de l'argent dans lequel vous êtes en train d'entrer. Michael, les gens de votre famille vont wonder que tu veux, la fille, il veut nous montrer quoi? Ils vont parler de secte, on s'en fout. Ils m'ont appelé des associés, ça ne me dérange pas. Faites seulement votre travail spirituel. Protégez-vous, utilisez vos dons spirituels. Il y a le kit fondation, kit déblocage, tout ça, tout là. Prenez vos fêtes. Your name gonna end in shame. Amen. If you believe it, say amen. 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 Ta poche Cayenne est Porsche. Respectez le nom. Porsche. Bon. Je vous laisse. Ok, tu vas commander la Range Rover. Prends la couleur blanche. Moi, je vais prendre le rouge. Prends la couleur blanche avec les sièges rouges. Moi, je vais prendre le rouge avec les sièges blancs. T'as compris? Larissa, tu es encore un peu en arrière, c'est pour ça. C'est pas aujourd'hui que je commence mes vidéos. Donc, allez sur mes vidéos, vous regardez. J'ai préparé tout ce qui se passe là, tout ce qui est fait aujourd'hui là. Si quelqu'un vient se connecter aujourd'hui, il va croire que. Il va pas comprendre. Il va dire, mais comment elle peut faire dire au nom de Jésus? Comment, comment? Donc, c'est un long processus, ma chérie. Tout ça, c'est un. Ce n'est pas. Team Range Rover, j'aime ça. Team, comme la team. Team. Team, c'est intéressant le mot team. Team Lamborghini. Yes. C'est juste 100 000 dollars. Si tu gagnes 30 000 dollars par mois. Écoutez, hein, être riche, ce n'est pas difficile. Si tu gagnes 1 000 euros la journée ou 1 000 dollars la journée, une voiture coûte 100 000 dollars. Chaque jour, tu mets 500 dollars de côté. Tu vas aller payer ça cash à la maison. Tu ne vas pas prendre le crédit pour acheter. Oui. Elle te commande quoi, mamie? Non, there's one there, there's one here. Ok. Oh, mais il n'y a pas le ici, attends un peu. Hein? Ok, j'ai compris, je vous souhaite une bonne journée. La Maserati bleu nuit. Lynn, tu connais les choses. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Edwige, quand tu deviens international, quand tu deviens international, tu dois t'habituer à toutes les devises. J'ai les gens qui viennent à Douala, ils me paient en euros. Ils me paient en dollars. Si tu es encore dans seulement le franc CFA, là, c'est pas bon, ma chérie. Même le yen, tu dois prendre. Tu as ton business à Douala, tu dis que je prends toutes les devises ici. Ouais. Quelqu'un vient, il veut payer en euros chez toi. Il a que de prophétiser sur ton business. Accepte. Il dit que les 100 euros que je prends, si je vais aller dépenser ça qu'en Europe. Les 100 dollars qu'elle prend, les 200 dollars, je vais dépenser ça qu'aux États-Unis. Vous, Simon, là, ouvrez votre esprit. Ouvrez. Que je parle en français, enfin. Tu as une nouvelle sur la page ici.
Peu importe le pays où tu es, tu dois connaître les devises. Yuri, j'ai bien vu ta question. Hein. Tu es nouvelle sur la page, tu ne veux pas aller regarder les vidéos. Va regarder les vidéos. Les choisis ne sont pas paresseux. Va regarder les vidéos. Juste en passant, je ne suis pas ici pour chercher les followers. Les personnes de mes choses se reconnaissent et ils viennent à moi. Vous comprenez? Comme je disais, my people know me. My sheep hear my voice. And they come to me. Mes brebis reconnaissent ma voix. Quand tu vas tomber sur ma vidéo à minuit comme ça, là, tu étais en ligne, tu disais pas ce que tu faisais, tu tombes sur ma vidéo. Tu dis, Kay, la femme, c'était où depuis? Tu es ma brebis, ce n'est pas tout le monde qui est pour moi. Vous, dis-moi. Donne-moi un coup, parce que, oh, pardon, abonne-toi. Oh, pardon, Jesus. Il fait le genre de business que j'ai deux clients par jour. J'ai pointé ma journée. Fais tes 1 500 $ par jour, là, tu es bon. Tu n'as pas besoin de 500 clients. C'est comme ça les choisir. Hein. Les choisir travaille avec l'énergie. Les choisir travaille avec l'énergie. Tu veux pas beaucoup de clients. Beaucoup. Tu veux le client. Seigneur, apporte-moi le client. Là, dans ton magasin, on sait acheter des choses de 700 000. 2 millions. Quand il part, tu fermes la boutique, tu dis allons manger au resto. Le lendemain encore, l'autre vient à 10 h. Il fait son shopping, 4 millions. Il sort, tu fermes la boutique. Ok. Ouais, monsieur, venez, madame, c'est 10 000. Elle dit, j'ai 5 000. Vous discutez, finalement, elle donne 5 500. Ouais, à la fin de la journée, tu as eu 30 000 dans la caisse. Tu es soufflé jusqu'à. Tu es fatigué. Ma chérie, tu ne fais pas bien ton business comme les choisis. Tu vends un terrain la semaine-ci. 20 millions. 4 jours plus tard, on vient encore avec l'autre. 50 millions de bénéfices. Pas jamais tu vas faire. Ah, ah, tu montres. Venez. Bienvenue, la reine Géraldine. Un client, 1500 euros. Everything I put my hand go work. My name go open doors. Amen. Amen. Oui, tu peux déjà commander tes produits. Vous n'avez pas besoin de me parler pour commander les produits. Prenez le kit fondation, kit déblocage plus, kit commerce, kit attirance. Le kit dit ce que ça fait et ça fait ce que ça dit.
Qui déblocage plus là, c'est pour vraiment ensorceler les trucs dans le ventre, ploum 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 là. Oui, c'est pour vous là-bas. Avec 7 jours de jeûne. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Si c'est que ça dépend que de vous, ce que vous souhaitez bonne journée comme ça, là même 50 fois. Ouais. Bon, allez aussi manger, allez vivre, non? Laissez-moi vivre. Pour mon comédien, que va faire le direct, va leur dire ceci. Si je passe la journée avec vous, je vais regarder mes films avec vous. Un jour, je vais faire une journée comme ça, là. Il y a l'équipe de 25 000, il y a l'équipe de 50 000, il y a l'équipe de 65 000. Vous passez pas la journée avec moi, je vous connais. Oh, aïe, aïe, Seigneur. Voilà. Vous là. Et vous êtes sérieux. Je sais que si je fais, je dépose la caméra là. Vous allez me voir. Je sors, je marche, je fais comme ça là. Je me lève. Je marche dans la maison. Je pars ici là, vous êtes derrière moi. Je pars là-bas, vous êtes derrière. Je vous connais. Et je dois y aller. Ouais. Bon, je dois bosser. Je bosse à partir de la maison aujourd'hui. Je ne sors pas. Donc, si vous avez des consultations que vous attendez, c'est vrai que je ne prends même plus de nouvelles consultations depuis. Hein. Mais je peux vous parler pour vous dire qu'est-ce quel produit vous faut, c'est tout. Voilà. Bon, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans l'adoration, soyez dans la gratitude. Mettez les bonnes musiques, vous écoutez. Après le soir, vous voyez votre compte bancaire qui est rempli. C'est comme ça le principe en fait. Vous attendez le troisième direct. Et... bye bye. Allez vous abonner sur YouTube. J'ai mis des vidéos ce matin sur YouTube. Sur YouTube, c'est le même nom qu'ici, The Gift Digger Academy. Voilà. Bless you, bless you.